dans un univers régi par la courbure, dont on connaît tous les effets, la force centrifuge, les focalisations optiques ou lumineuses, il semble intéressant d'analyser l'univers des formes qui peuplent la tridimensionnalité à partir de ce concept géométrique susceptible d'expliquer à la fois la distribution des univers unidimensionnels, à la fois la distribution des surfaces dont on peut apprécier la courbure à la fois visuellement, tactilement et éventuellement par d'autres modalités perceptives, d'analyser donc comment ces distributions de courbure s'organisent et nous expliquent la propriété des objets. Au titre de la courbure, on peut distinguer dans n'importe quel objet bidimensionnel qui limite la tridimensionnalité, trois types de courbures. Des domaines que l'on dit convexes, où il y a une courbure dans un sens et une courbure dans l'autre sens, courbure qu'on dit positive. Des domaines à double courbure inverse, où il y a une courbure dans un sens et une autre courbure dans l'autre, qui fait comme un col. Voici un objet, une disposition de cette nature. Et entre ces deux dispositions, il y a un troisième type de courbure qu'on appelle les domaines à simple courbure, qu'on appelle aussi domaine développable ou encore domaine à courbure nulle. Ces domaines à courbure nulle sont donc de nature à nous expliquer la transition de propriété entre les domaines à double courbure inverse, les domaines convexes, et ces propriétés qui sont des propriétés locales de l'étendue sont aussi régies par des propriétés globales, puisque l'on sait que si à tel emplacement il existe tel type de courbure et à tel autre emplacement tel autre type de courbure, inéluctablement, entre les deux, il y aura un troisième type de courbure. Ces propriétés globales de distribution connaissent aussi d'autres effets qui nous permettent d'affirmer que si l'on fait la somme de toutes les courbures autour de cet objet qui n'a aucun trou, eh bien, il aura exactement les mêmes quantités de courbures qu'un objet parfaitement sphérique où la courbure est exactement égale à 720 degrés. Une autre modalité de génération cinématique de surface, c'est d'astreindre les droite, non plus à se couper en un point à distance finie ou à distance infinie comme un cylindre, mais à se recouper tout au long d'une courbe. Si l'on considère par exemple une droite sur laquelle va s'appuyer une seconde droite qui va donc définir un plan, sur laquelle on peut appuyer à nouveau une nouvelle droite qui va définir un nouveau plan, et ainsi de suite, une succession de plans tels que les droites se recoupent successivement les unes les autres, on obtient une succession de droites qui se coupent, donc une surface développable. Il est aisé de démontrer que toutes ces droites sont tangentes quelque part à une même courbe qui caractérise totalement cette surface développable. Il suffit donc pour engendrer une surface développable au cas le plus général, d'avoir une courbe quelconque et d'avoir une condition particulière de contact qui est la tangence à cette courbe. Ainsi, chaque courbe, qu'elle soit dans l'espace ou qu'elle soit sur une surface, va définir une surface développable telle qu'une droite qui restera tangente à cette courbe va balayer dans l'espace une surface développable que pour cette raison on appelle une tangentiale. Il est des modalités cinématiques assez évidentes de génération de telles tangentes. Par exemple, si l'on prend une courbe de plus court chemin tracée sur une surface, comme cette espèce d'enroulement d'une chaînette. Ça décrit une courbe qu'on appelle une géodésique. Eh bien, le déroulement de cette ligne de plus court chemin va forcément rester tangent
à la direction de cette courbe et va décrire dans l'espace une surface développable comme étant une suite de droites qui se coupent au long de cette courbe. Bien entendu, toutes ces surfaces développables ont des caractéristiques qui dépendent de la nature de la courbe. Et en général, une courbe présente un certain nombre de singularités. Ne serait-ce que, par exemple, cette courbe très simple ici, on voit très bien qu'elle possède une certaine particularité en ce point-là, qui est la même, par exemple, qu'en ce point-là, qui est aussi la même qu'en ce point-là, ou ce point-là, puisque la courbe est symétrique. Eh bien, on réalise très bien que si l'on veut faire des tangentes à cette courbe, en décrivant donc une surface tangentale, il va y avoir des recoupements de ces droites les unes par rapport aux autres à partir de l'emplacement singulier. Et donc, en général, à toute singularité d'une courbe correspondent des particularités de cette surface tangentale, qui peuvent revêtir des apparences extrêmement complexes, comme on le verra ultérieurement. Simplement, pour ce qui est de l'apparence de ces tangentales, sont en général quand même relativement familières, des surfaces qui ne sont ni coniques ni cylindriques, comme c'est le cas ici, sont nécessairement des courbes tangentales, des surfaces tangentales, c'est-à-dire telles que les génératrices rectilignes de la surface sont quelque part tangentes à une courbe unique. On peut chercher à faire des bases qui soient tourmentées et qui vont obliger la surface à adopter des dispositions qui peuvent apparaître relativement complexes. Là encore, on aura cette permanence d'une crête courbe qui va débuter précisément à l'emplacement qui correspond au centre de courbure, au sommet de courbure de la courbe de support. Et il va y avoir des intersections, donc, de surfaces courbes. Cette surface, qui est un petit morceau d'infini, les génératrices rectilignes, qui sont les lignes de plus grande pente, peuvent se prolonger à l'infini au-dessus et en dessous de la surface, et la crête apparaît comme étant une ligne double de la surface, c'est-à-dire une ligne d'auto-intersection. Là encore, on peut considérer la complexité que revêt cette espèce d'arête courbe qui naît précisément à l'emplacement où il débute le sommet de la courbe de base. On peut faire sur ce modèle des transformations qui montent avec une pente plus ou moins accentuée ou atténuée la constance de pente jusqu'à la pente absolument nulle horizontale. Et ce que l'on peut voir encore, c'est que la ligne d'intersection de la surface apparaît à l'emplacement où l'arête de rebroussement, lieu des intersections de la surface, présente un rebroussement. Toute autre perturbation de ce modèle fait que la surface ici, si les bases restent parallèles, donnera une surface développable. Par contre, elle n'aura plus une pente constante et tout autre déplacement quelconque des bases donnera des surfaces qui ne sont plus développables et qui sont des surfaces à double courbure inverse, mais qui ont des parentés communes puisque toute surface réglée, développable ou à double courbure inverse, a des parentés communes. Par ailleurs, on peut voir que de telles surfaces présentent des courbes de niveau complexes qui sont des courbes parallèles sur la surface, comme ce que l'on peut voir là-haut, où l'on voit des courbes qui sont tantôt sur une partie en creux et en entonnoir de la surface, tantôt dans la partie en tas et en relief, et qui sont des courbes de niveau parallèles qui sont toutes perpendiculaires aux génératrices rectilignes de la surface. Voici les éléments importants à repérer sur tout relief à pente constante.
Cette déformabilité par isométrie d'un support développable permet bien sûr de retrouver les principales familles dont on avait défini la génération de manière cinématique, à savoir les formes cylindriques, les formes de tangentales et enfin les familles de formes coniques, quelles que soient d'ailleurs les contorsions que l'on applique à ces surfaces. Parmi ces diverses façons de se déformer, il est intéressant de mettre un peu d'ordre et de considérer certaines déformations particulières, comme par exemple les choses très connues de déformation de surface de révolution. D'une certaine manière, le plan peut être considéré comme une surface de révolution. Toutes les surfaces de révolution peuvent se transformer en surface hélicoïdale par transformation isométrique, comme par exemple la transformation de ce plan en une portion de cône de révolution qui ensuite se transforme en hélicoïde, hélicoïde ici développable puisqu'il s'agit de transformation d'un support initialement plan. Toutes ces transformations sont à comparer aux effets qui adviennent dans d'autres supports, que ces supports aient des courbures constantes comme une sphère, ou de la même manière on peut engendrer des cônes sphériques, on peut engendrer des hélicoïdes sphériques, on peut engendrer quantité de familles par distorsion isométrique, et par exemple pour un support convexe, on sait que dès qu'il y a un trou, si petit soit-il, la surface peut se déformer. Cela engendre des familles de formes qu'il est intéressant de savoir engendrer, comme par exemple ici la transformation isométrique d'un support qui associe une zone convexe et une zone à double courbure séparée par une zone développable, eh bien, la distorsion de ce support va engendrer une conservation de la courbure. Les objets qui sont dans la zone à double courbure vont rester à double courbure. La zone développable va rester développable, elle s'applique sur un plan, et la zone convexe va demeurer convexe. Et l'on peut assister à des métamorphoses extrêmement étranges qui associent à une forme initiale d'autres formes qui apparemment n'auraient pas grand-chose à voir. Au travers de ces distorsions multiples de surface, adviennent par ailleurs des choses assez surprenantes, comme par exemple ici, dans la déformation de ce support à double courbure inverse, où l'arête qui est concave ici présente sa convexité vers l'observateur, eh bien, une simple déformation isométrique va inverser la chose et va présenter maintenant cette arête qui présente sa concavité vers l'observateur. Toutes ces métamorphoses de surface sont une espèce de mécanique naturelle qui advient par exemple dans les éclosions de fleurs ou quantité de systèmes où la transformation fait loi et est un peu le cadre d'une espèce de mécanique qui a des effets divers, comme par exemple ici cette espèce de mâchoire qui peut servir à transmettre des forces et à assurer un certain nombre de fonctions. À partir des situations localement repliables, on peut envisager, par différents types d'associations, la façon de compliquer les choses. Par exemple, deux fronces en chevron identiques auront nécessairement le même comportement compatible dans leur accolage. Par exemple, ici, si je prends deux fronces repliables précisément accolés selon leur pli, je vais engendrer une nouvelle disposition de croisement spatial, intégralement dépliable et intégralement repliable à partir des situations initiales, qui nous permettent d'observer que cette même disposition permet à certains emplacements d'avoir certaines dispositions pointues, comme la convexité qui serait, elle, totalement repliable puisqu'elle est extraite de quelque chose de repliable. Et de la même manière,
on peut extraire de cette situation une disposition d'angle qui instaure l'équivalent d'une double courbure inverse qui serait elle aussi totalement repliable puisqu'elle est extraite d'un système repliable. On voit que les conditions de repliabilité de surface développable plane permet d'étudier la repliabilité de configurations beaucoup plus compliquées, comme serait, par exemple, ici, cette espèce de nappe qui peut totalement se replier de plusieurs manières à partir d'éléments qui ont été initialement simplement pliés. Il existe d'autres façons d'associer ces mêmes fronces repliables. Au lieu de les associer par les plis, je vais les associer par les arêtes limitrophes. Ces arêtes limitrophes vont aussi organiser une repliabilité, dépliabilité compatible, puisque ces deux éléments étant identiques, ils ont exactement la même mécanique. De ce fait, on obtient quelque chose qui va être comme une sorte de tube pliable, dépliable, repliable, et repliable de plusieurs manières. Voici par exemple cette chose qui va permettre de reconnaître à nouveau les dispositions précédentes, la double courbure ici, la convexité ici, comme élément qui s'orchestre par rapport à la fronce simple de repliabilité précédemment envisagée. De la sorte, n'importe quelle configuration intégralement repliable permet d'imaginer des associativités de formes qui vont du simple au compliqué engendrer des spatialités qui peuvent être utilisées dans leur respiration d'ouverture ou de fermeture. Que d'une certaine manière, le pliage est une certaine forme de vie des formes, puisqu'on sait très bien que la compréhension des formes, c'est les transformations. Et voici par exemple ici comment l'associativité de deux configurations absolument identiques engendre en fait une espèce de volumique qui est déployable. Ici, elle est un peu difficile à obtenir, déployable et intégralement repliable de plusieurs manières. On a pu considérer, lors des règles de pliage rectiligne, que par raison de symétrie, toute section plane de n'importe quel système de pli, quelle qu'en soit la disposition, pouvait être pliable au long de ces lignes. Pour la raison simple, c'est que la même quantité de matière, telle que un gant gauche, peut s'inverser par symétrie pour devenir un gant droit par une sorte de retournement. Et donc, cette opération universelle orchestre les aménagements de transformation par section plane pliable. Cette même règle discontinue pour les faces planes peut opérer pour n'importe quelle nappe développable. Voici par exemple une portion de cône développable, sur lequel a été tracé le développement de deux sections planes, une section plane elliptique et une section plane hyperbolique. Voici le cône, et la construction a été tracée avec rigueur selon les lois de la géométrie descriptive, et on peut observer donc ces deux sections planes, une ellipse et ici une branche d'hyperbole, dans un plan vertical et ici dans un plan oblique quelconque. Tout autre type de section eût pu être choisi. Or, on voit bien que ces sections planes peuvent être repliées au long des courbes pour aménager une symétrie où la partie saillante devient rentrante et on peut observer ainsi cette espèce de réflexion de la nappe conique
par rapport au plan, de la même manière que l'on peut observer comment la section plane du cône, par symétrie, ce cône était de révolution, il va demeurer de révolution dans son inversion, et là encore, on peut observer cette règle de réflexion par section plane par l'intermédiaire d'un pli curviligne. Il existe, bien entendu, des opérations de pli sur pli qui vont sur certaines dispositions de surface, qu'elles soient cylindriques, qu'elles soient tangentales ou de toute autre nature. On va pouvoir opérer certaines dispositions de pliage curviligne. Et puisque par un point du pli vont nécessairement passer deux génératrices rectilignes des surfaces développables, ces deux droites vont se couper selon un, vont définir un plan. Ce plan va couper la surface et bien sûr, la surface curviligne va pouvoir être pliée selon ce pli rectiligne. En continuant de conserver les identités de surface, cette nappe de surface courbe qui est ici et la continuité de cette surface qui est encore courbe ici puisqu'il y a un pli curviligne à cet emplacement. Bref, toute section plane de n'importe quel type de surface est inversable au long de cette section plane. Et si la surface est courbe, cela donne un pliage curviligne. De cette manière, par exemple, une nappe de surface à double courbure inverse sur laquelle ont été tracées deux sections planes à des niveaux différents vont être inversables par pliage curviligne au long de cette section plane. La convexité devient concavité et inversement. La section plane. Et par exemple, sur l'autre courbe, la même chose. Et ces sections planes conservent d'une certaine manière les identités de surface. Cette nappe de surface, au retournement près, est la même que cette nappe de surface là. Cela s'applique à n'importe quel type de surface, bien entendu. Ici, une sphère dont les sections planes vont donner des cercles, vont transformer les parties convexes en ménisques concaves. Et on peut répéter l'opération autant de fois qu'on le souhaite, et même faire des systèmes de plis sur des systèmes de plis. Et on peut observer que cette opération de section plane extrêmement élémentaire, qui constitue la plus simple, donc, des règles de pliage curviligne, est en fait une espèce de mécanique naturelle de transformation de surface que l'on peut voir apparaître lors de certaines contraintes qui sont appliquées à n'importe quel type de support. Par des opérations locales de retrait d'une certaine quantité angulaire, on peut donc contrôler la genèse d'une certaine courbure locale, soudaine, ponctuelle. Cette opération peut se répéter à loisir en différents points d'un support pour contrôler la forme convexe ou à double courbure, ou en tout cas à courbure variable que l'on veut engendrer. Et ceci peut très bien se calculer par des calculs angulaires. On voit que je peux retirer ici et rajouter là. Et j'engendre de la sorte des variations de courbure. Après avoir fait de la convexité, je vais faire localement de la double courbure inverse et donc varier la forme, ce qui me permet aussi d'affirmer
qu'entre ce domaine à double courbure inverse et cette partie convexe, il va y avoir, par exemple, une région qui sera à courbure nulle. Mais ces opérations peuvent être conduites exactement comme on le souhaite et de manière qui contrôlera toujours exactement les quantités de courbure que l'on peut avoir au préalable mesurées sur un patron et donc contrôler la chose. Ici, comme j'ai retiré une certaine quantité angulaire que j'ai rajoutée ailleurs, la quantité de courbure intégrale de ce domaine-là est demeurée absolument invariante. Et si je continue ces opérations chirurgicales, comme par exemple ici, refaire de la convexité qui va s'opposer à l'autre domaine de convexité, eh bien, j'ai maintenant une certaine quantité angulaire qui permet d'affirmer cette nouvelle valeur de l'intégrale de la courbure. L'intérêt de ces opérations, c'est que l'on peut vraiment contrôler à chaque instant, localement, la variation de courbure recherchée. Cette opération de roulement d'un support, ici deux ellipses dans des plans différents, pour y définir une nappe développable par roulement de plans, peut permettre de réaliser à la fois expérimentalement et extrêmement précisément le développement recherché. Si par exemple, tel un tampon, je fais passer dans de l'encre ces deux courbes et qu'ensuite je les fais rouler sur le support, elles vont y tracer directement le développement recherché par simple roulement et les repères ayant été marqués sur le support du début et de l'arrivée de ce roulement va permettre de fabriquer avec une extrême rigueur ce développement qui s'enroulerait sur les deux ellipses. Selon ces lignes que je laisse un peu dépasser, mais qui permettent à la fois pratiquement et à la fois très théoriquement d'obtenir la surface développable recherchée. Les longueurs ont été respectées. Les rapports de courbure ont été respectés et j'ai ici certainement le développement qui permet de passer très exactement, il reste à rechercher la position exacte de la surface sur les disques donnés. Il est certaines façons d'engendrer les surfaces qui privilégient naturellement certaines façons d'en effectuer le développement. Comme par exemple, ici une surface de translation engendrée par le déplacement d'une courbe toujours identique qui se déplace sur une autre courbe toujours elle-même identique. Décrivant le croisement de lèzes qui ont des génératrices partout parallèles à une même direction, donc des cylindres, dans une certaine direction, ou d'autres familles de cylindres selon une autre direction. Eh bien, on peut voir que si ce sont des cylindres, ce sont des surfaces dont les génératrices sont faciles à tracer, qui ont des propriétés de déformabilité assez particulières, et on peut donc approximer à sa guise les domaines convexes, comme par exemple ici cette façon de distribuer ces lèzes qui ont réalisé cette portion de nappe convexe et une autre façon
de distribuer les mêmes lèzes va permettre de réaliser une portion de surface à double courbure inverse, comme par exemple cette portion de nappe ici, où cette lèze-ci correspond à cette direction-là, et la juxtaposition des deux nappes permet de restituer les variations de courbure. En fait, il s'agit ici, dans ce développement selon ces directions cylindriques, de cas particuliers de réseaux conjugués identiquement croisés sur la surface. C'est depuis toujours une technique familière, chère aux sculpteurs, de procéder par opération soustractive pour arriver à extraire la forme que l'on veut par une succession donc de sections planes que l'on fait un peu comme l'on veut et qui permet par section sur des sections et ainsi de suite d'arriver à une approximation d'une surface qui aurait la forme que l'on souhaite. Par exemple, sur ce silex où l'on peut observer que des chocs ont engendré ici et là des quasi-sections planes qui ont permis d'obtenir cette forme lancéolée. On peut, dans cette extrême diversité de possibilités, se donner les règles que l'on veut. Par exemple, ici, à partir d'un cube, lui-même obtenu dans une masse informe de mousse, procédé par des sections qui, par exemple, ici, vont passer par le milieu des arêtes, du volume prédéfini. On peut donc, l'opération a été un peu préparée, retirer une première face, retirer une deuxième face, retirer une troisième face, une quatrième face, cinquième, sixième, jusqu'aux huit faces correspondant aux huit sommets du cube. On obtient un nouveau volume. Cette opération peut continuer de la même manière. On peut redéfinir au milieu de chaque arête, alors qu'on aurait pu aussi changer de règle, une nouvelle façon de faire un épanelage où l'on va retirer à nouveau une face, puis une deuxième, et ainsi de suite, sur les N arêtes que comporte ce nouveau volume. Et cette chose qui a été obtenue ici peut bien entendu être continuée jusqu'à l'infini continu que serait la courbure, et si l'on s'arrête un peu avant, on obtient une espèce d'érosion de la surface qui, par une succession de facettes planes dont on connaît les règles, à chaque sommet, il n'y a que quatre arêtes autour d'un point qui sépare quatre facettes et la succession de ces facettes réalise quasiment des nappes développables puisque les nappes développables ont quelque chose à voir avec la succession de plans. C'est donc une façon extrêmement intéressante et contrôlée d'engendrer des formes qui correspondent par ailleurs à des processus naturels, ici d'érosion, pour engendrer une forme. Au nombre de tours que l'on peut faire effectuer à une bande correspondent des propriétés d'imbrication spatiale assez surprenantes. Voici par exemple quelque chose où je vais faire une courbe à zéro tour. J'ai plusieurs façons de le faire. Je fais un tour dans un sens et après je fais un tour dans l'autre sens. J'obtiens une forme en 8. Ou alors je prends les deux éléments, je ne tourne pas du tout, j'assemble les bords et j'ai cette courbe en forme de 8 qui donc n'a fait zéro tour. Je peux aussi faire une courbe qui aurait deux tours. Je fais un tour dans un sens et je refais un deuxième tour dans le même sens. J'obtiens une double boucle qui
qui est une courbe à deux tours. Voici zéro tour comme on l'avait vu sur la courbe avec la chaîne. Voici. Eh bien, à ce nombre de tours correspondent des propriétés singulières. Si je prends cette bande et que je la coupe longitudinalement, je vais, sans surprise, obtenir deux morceaux absolument distincts. Mais, surprise, ces deux éléments seront deux courbes à zéro tour, enchaînées l'une dans l'autre. Et si maintenant je cherche à comparer cette propriété sur quelque chose qui a deux tours, sur une bande qui a un recto et un verso qui sont distincts, puisque je n'ai pas confondu l'opération par retournement. Eh bien, je vais être amené à constater une propriété assez analogue. J'ai les deux bandes qui sont, elles aussi, imbriquées l'une dans l'autre en ayant chacune un tour. Je suis donc amené à me demander s'il n'y a pas une parenté entre les courbes à zéro tour et les courbes à un tour. Eh bien, effectivement, si je prends cette courbe qui a zéro tour, eh bien, je peux m'apercevoir que si je fais une certaine opération spatiale d'imbrication et de retournement, j'obtiens l'équivalent d'une bande à deux tours. Et donc, on passe à des propriétés extrêmement intéressantes par modification de nombre de tours, ces opérations ayant des règles topologiques qu'il n'y a pas lieu de raconter ici. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces dispositions à un tour, deux tours, n tours, qui donnent régulièrement des formes parfois assez complexes et déroutantes, proposent une espèce de plastique, si l'on peut dire, éminemment sculpturale, à cause de la façon dont notre esprit est en général assez peu disposé à appréhender de telles complexités. Il y a vraiment des ressources sculpturales extrêmement puissantes dans le recours aux propriétés topologiques des surfaces. Ce que certains sculpteurs, tels Max Bill, ont communément utilisé. Voici maintenant la projection d'une surface témoignant de la complexité des transformations de courbure. On voit apparaître les lignes qui décrivent une certaine étendue bidimensionnelle avec des zones convexes, des zones à double courbure inverse, donc quelque part des zones développables. Et les lignes qui décrivent ces surfaces sont sujettes aux illusions qui ont précédemment été évoquées. On voit apparaître, par endroits, ces enveloppes de lignes qui, soudainement, s'évanouissent pour éventuellement réapparaître ailleurs, dessinant ce qu'on appelle les contours apparents de la surface sous un angle et à un instant donné. Mais ce qu'il y a lieu, surtout, de constater ici, dans toutes ces métamorphoses, c'est cet instant très particulier où tout contour apparent va disparaître, comme par exemple à cet instant-ci, pour réapparaître quand je vais mettre du mouvement, et cet emplacement où le contour apparent disparaît ou apparaît à cet emplacement-ci est précisément une zone dont on peut affirmer qu'elle est développable. C'est un point plat de la surface qui sépare un domaine à double courbure inverse d'un domaine convexe, et la théorie des surfaces développables est encore quelque chose qui aide à comprendre les transformations projectives de courbure qui donnent lieu à des phénomènes, à des illusions complexes et déroutantes, mais qui sont souvent spectaculaires. Il est important de comprendre par la continuité des métamorphoses la réalité
de la tridimensionnalité courbe en présence. Le problème fondamental à traiter pour les surfaces développables consiste, pour approximer un support d'une forme absolument quelconque, de se donner deux conditions sur lesquelles on va faire passer des portions de surface développable pour approximer cette portion de patatoïde, par exemple, ici. Le cas le plus usuel, c'est de faire passer des courbes sur une surface. On va donc chercher à localiser très précisément la position des génératrices qui permettent la définition de telles portions de surface développables. Et on va le faire par rapport à un des cas les plus simples, deux courbes planes, une première courbe que voici, qui est dans ce plan-là, dont la projection sur l'autre plan va donner cette ligne-là, et une deuxième courbe que voici, dans ce plan-là, dont la projection va s'effectuer sur l'autre plan selon cette courbe-là. Chacune des courbes étant définie par ces deux projections est intégralement définie. Comment faire passer des nappes de surface développables par ces deux lignes ? On sait qu'il suffit d'appuyer des plans tangents qui vont rouler sur ces deux courbes. Comment obtient-on ces plans tangents qui roulent ? Si ces plans tangents seront tangents à chacune des courbes, contiendront donc les tangentes à ces courbes. Si donc je mène une tangente à l'une des courbes, qui va atteindre l'intersection des deux plans en un point, et que par ce point je mène une tangente à l'autre courbe, j'ai défini ici un plan fait par deux droites qui se coupent, ce plan s'appuyant sur chacune des courbes. Eh bien, la génératrice de la surface développable qui est contenue dans ce plan tangent, la voici. Elle traverse le plan ici, comme ceci, et comme cela. Voici la définition d'une première génératrice. Si je répète l'opération, un nouveau point, je mène une tangente, je mène une deuxième tangente, je définis à nouveau deux points par lesquels je peux à nouveau faire passer une génératrice. Si ce point est rejeté à l'infini, eh bien, je mène une tangente parallèle à la direction de l'intersection des plans de ces deux courbes et j'obtiens ces deux directions de tangence. Et la génératrice correspondant à ce plan, deux droites parallèles étant dans un même plan, va définir cette génératrice de surface ici. Et on voit que de loin en loin, on peut définir progressivement avec une rigueur totale chacune des génératrices de la surface développable. Et on peut atteindre des dispositions limites lorsque ce point est situé en un point. Si je suis ici, je ne peux plus mener de tangente à cette courbe-là. Ceci est un point limite, et la dernière génératrice qui apparaîtra dans ce dessin, c'est cette génératrice qui est ici et que voici.